à tous, c'est Ingrid, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler encore une fois la posture à chaque fois, mais en plus, on va travailler vos triceps. Vous savez, ce muscle-là qui est toujours un petit peu relâché, eh bien, je vous propose un exercice pour le travailler avec l'élastique. Donc pareil, je vous le rappelle, ça, on trouve ça facilement dans le commerce, un petit peu partout, et les magasins de sport notamment, vous en trouvez facilement. Alors, la première chose, c'est de se placer hop, sur un 4 pattes. Alors, petite précaution, pour ne pas vous faire mal au dos, pensez juste à fermer un petit peu l'angle. Donc en gros, les fesses légèrement en arrière par rapport au genou. Comme ça, vous protégez le bas de votre dos, vous ne pouvez pas cambrer dans cette posture. Vous allez ensuite tenir l'élastique d'une main au sol et le coude ici, vous le placez ici au niveau de votre taille. Vous allez commencer par serrer votre ventre, vous repoussez dans votre main au sol. Là déjà on est en train de travailler la posture, on est en train de gainer un petit peu. Et sur une expiration, vous tendez le bras. Inspire, relâche. Expire, allonge. Donc après vous pouvez en fait mettre un plus ou moins de difficulté en ayant un élastique plus ou moins court ici. Okay. Dernière petite précision, ça arrive souvent qu'on ait un petit peu des douleurs au poignet. Dans ce cas-là, vous fléchissez le poing ici. Et vous prenez appui sur le poing pour ne pas casser au niveau de votre poignet. Je vous remontre. Fesses un petit peu en arrière par rapport au genou. Ventre rentré, dos allongé. Coude collé, extension du bras. Le gros défaut, c'est de monter le coude. D'accord? Le coude ne bouge pas. C'est le bras qui vient se tendre. Voilà, je vous laisse travailler ça un petit peu. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !